Réponds à la question. Imagine. Tu m'écoutes ou pas? Imagine, tu manges avec une collègue de boulot et elle a pas sa carte. Est-ce que tu payes ton repas ou pas? Avec une collègue de boulot? Ouais. Je fais un date. Non, imagine là, tu manges avec une collègue de boulot pendant le taf. Une meuf. Oui, une meuf. Et elle a pas sa carte pour payer. Est-ce que tu payes le repas ou pas? Elle a pas de moyen pour payer. Non, elle a aucun moyen pour payer. Ah oui, je lui paye. C'était pas ça la réponse. La réponse c'est je ne vais pas manger avec une collègue de boulot en fait. Une très jolie demande en mariage en plein décathlon. J'ai arrivé de te dire que t'étais beau parce que tu venais de me dire que j'étais belle, mais sans forcément penser sur le coup. Ce couple se balance des vérités en pleine face et ça fait mal. Ces deux amoureux en avaient dit vraiment gros sur la patate. Ils se sont prêtés au challenge TikTok « Mange ta vérité » qui consiste à clasher son partenaire en lui balançant des vérités inavouables en pleine face. Et comme vous allez le voir, sur cette séquence à mourir de rire, mieux vaut ne pas être trop susceptible. C'est sauce à Gérène ? Non pas que je suis méchante, mais le jour où t'as fait des pâtes à la sauce algérienne, ça m'a dégoûté. Ce jour-là, je vais plus jamais te laisser cuisiner. Après, j'aurais préféré manger avec du ketchup, mais... Je prends la sauce. Un jour sur deux, tu t'habilles à la tournée. Toi aussi. Et moins d'un jour sur deux. Des fois, je te le dis pas, mais tu peux le taper rue trop. Et j'ai peur d'être vexée parce que tu peux pas taper. Prends ça. Mon couteau, il coupe pas mal. Ouais. Ouais. Avant qu'on sorte ensemble, tes goûts musicaux, ils étaient vraiment nuls. Ok. Je préfère te le dire. Elle est trop bonne la viande, mon frère. Délicieux. Ça va, t'aimes bien la cuisson? Ouais. Des fois, tu me parles, alors j'ai pas spécialement envie de parler. Moi aussi. Toute ta journée. Souvent aussi.
Je vais sûrement te goûter parce que je n'ai pas trop parlé, mais... C'est un peu chiant le fait que t'es pas d'amis. Parce que du coup, tu traînes toujours avec moi et... T'as pas le choix, quoi. Après un moment, mes amis, c'est pas des hypocrites. Bah, pour qu'ils soient hypocrites, faudra en avoir déjà des amis. Ça me gêne quand tu réponds à tes appels dans le bus et que tu parles hyper fort. J'ai l'impression de sortir avec une tortine. Et moi, je déteste les gros pieds, vraiment. Ils me dégoûtent. C'est inimaginable d'avoir des pieds comme ça. Et là, je te dis en te regardant dans les yeux. Ils sont horribles. T'as des gros mollets. C'est un complexe, par contre. Ça m'est déjà arrivé de te dire que t'étais beau parce que tu venais de me dire que j'étais belle, mais sans forcément penser sur le coup. Des fois, tu me demandes de faire un choix sur ton maquillage ou tes tenues et tout. Et je te dis que je sais pas. C'est parce que je sais pas, c'est juste que j'en ai rien à foutre. Ok. Je peux comprendre. Des fois, quand je rentre du taf, je vois t'as rien fait. La maison, elle est grave en bordel. J'ai grave le mort contre toi, je te dirais. Ouais. Bah, j'ai remarqué qu'en ce moment, tu mangeais bien la cantine aussi. Bon, ça, je te retourne le compliment. Ça s'arrête là. T'as pris 4 tailles depuis qu'on joue ensemble. Mon rêve, mon cœur est fermé, c'est bon. Pas sur taille, le poids. Ton tour de taille, c'est Kim Kardashian. Ça y est, wesh. Négatif. J'aime pas quand tu sors avec ton chapeau sur la tête. Ça me fout la honte, je sais pas pourquoi. Reste-y, s'il te plaît. Ouais, ciao. Ça me saoule quand tu fais tous les deux un truc en même temps et que tu fais que de me demander mon avis. Parce que du coup, tu me coupes dans ce que je suis en train de faire. Ouais. Rien ou barbecue? Ah, j'ai rien. C'est parce que tu mets des t-shirts de gros bras, des maillots de foot ou alors des t-shirts trop petits pour toi que tu parais stock. On voit tous en dessous qu'il y a le bourrelet. Ce couple atypique entre un homme féminin et une femme masculine ne laisse personne indifférent. Le couple ne suit aucun rôle stéréotypé de genre, mais choisit plutôt de mélanger les rôles comme bon lui semble.